Je scanne les mouvements. Il n'y a rien de détecté. Le jeu continue. Les gars, on doit se serrer les coudes. Je ne pense pas qu'elle soit atteinte de se débarrasser de la concurrence. Désolée, j'ai été poussée. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Ce n'est pas ma faute, j'ai été piégée. Super, mon plan a marché. Oh non, je suis en danger. Le jeu continue. Allez les gars, on peut le faire. Marie, t'es la prochaine. Tu t'es échappée à la dernière minute. C'est bon, je t'aurai. Je dois rester loin de Bella. Je scanne. Il n'y a rien de détecté. Oh non, il ne reste plus grand chose. Et moi alors? J'ai presque franchi la ligne. Ça ne compte pas? Je vois un objet en mouvement. Qu'est-ce que vous avez fait avec Lily? C'est notre amie. C'est terminé. Vous avez réussi. Où sommes-nous cette fois-ci? Je peux voir les mille tris. Il faut se dépêcher. Oh, j'ai eu un gros morceau. Ce n'est pas facile. Elle est en train d'éliminer un autre concurrent. Donne-le-moi, Marie. Essaye de la voir. Tu ne peux pas la voir. Oups, c'est trop tard. Je suis désolée. Ce n'est pas ma faute. Je ne l'ai pas gazé. Dans quoi je me suis fourrée? Je n'ai rien fait de mal. Marie, pas ça. Il faut se ressaisir et nous dépêcher. Je sais ce qu'il faut faire. On doit le lécher. C'est délicieux. J'ai tellement faim. Je ne veux pas m'en empêcher. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh non, Zach. Au revoir, mon pote. Au revoir, les gars. Je ne voudrais pas être à sa place. J'ai réussi. Moi aussi, Ted. On a réussi. Je pense que la traîtresse Bella l'a fait aussi. C'est ça. Félicitations. Ouais. Qu'est-ce qui se passe encore? Où en sommes-nous? Waouh! C'est beaucoup de beignets. Qui c'est ça? Vous devez vous dépêcher. Le temps presse. Encore? J'ai compris. Je vais devoir tout manger en 3 minutes. J'ai un plan horrible. Teddy, mâchons plus fort. Oh, Bella va encore nous piéger. Je ne veux pas. J'ai une mâchoire disloquée. J'ai besoin de le remettre en place. Ça ne marche pas. Qu'est-ce que je vais faire, Suzy? Je vais essayer d'avaler des beignets entiers. Oh, ça marche. Ce n'est pas mauvais, je suis bon. Très original. Allez, Teddy, tu peux le faire. Ça a l'air dégoûtant. Il y a un tas d'autres beignets là-dedans. J'ai une idée. Il faut les froisser. Je pense qu'ils rétrécissent. Ouais. Ça sera tellement plus facile à manger. Bien joué, Suzy. Dommage que ça ne sauve pas notre ami. Un autre beignet? D'où vient-il? Ah oui? C'est plus facile que je l'ai pensé. Continuons. Un autre beignet. Bon appétit, Ted. Bella, t'as tout mangé? Je suis le dernier. Je vais tout mettre dans ma bouche. Je l'ai fait. Je l'ai terminé il y a longtemps. D'ailleurs, le temps presse. Arrêtez, tout le monde arrête. Voyons comment vous avez fait. Je n'ai rien. Je vois bien. Alors, qu'est-ce que vous avez là? J'ai fini moi aussi. Pourquoi pas un troisième joueur? Je vois que vous avez quelque chose dans la bouche. Fâchez-le tout de suite. Je vais compter jusqu'à 3. 1, 2, 3. Très bien, vous avez raison. Je n'ai manqué qu'un seul beignet. Je n'ai juste eu pas assez de temps. Oh non, Ted! Et voilà. Wow, super. Je vous en supplie, donnez-moi une autre chance. C'est impossible. Vous avez perdu. Ce n'est pas juste, je ne vais pas y aller. Au revoir, Ted. Suzy, c'est juste toi et moi maintenant. C'est reparti pour le déplacement dans l'espace. Qu'est-ce qui nous attend ici? Des crayons? Ce n'est pas encore clair. Quelle est notre tâche? Vous êtes sur le point de le découvrir. Dans ce cas, il y a un prix que le gagnant remportera. Vous devez le dessiner.
c'est fermé. Oups, désolé, j'ai complètement oublié. Je dois l'ouvrir. Beaucoup d'argent. Je n'ai jamais vu autant. Eh bien, c'est parti. Bonne chance. Je suis presque riche. Je dois faire tout ce que je peux pour que le prix soit à moi. Ne t'excite pas avant l'heure, Bella. Je n'ai pas l'intention d'abandonner. Stupide de voir, ne sais pas dessiner. On dirait que je sais que je vais devoir suivre la voie habituelle et éliminer mon adversaire. Je n'ai pas besoin d'yeux supplémentaires. Oh, je vais m'allonger. Super, on va passer à autre chose. T'as gâché mon dessin, arrête! Maintenant, voyons laquelle d'entre nous gagne. Il faut se lever. Ah, pourquoi c'est si glissant ici? Tu pensais que je vais laisser ça comme ça? Ma tête, ça fait mal. Je pense que je vais prendre un autre repos. Je dois mettre ton travail en lambeaux. C'est ça, regarde! Ça, t'as tout gâché! Il me reste plus rien. Je crois que je me sens un peu mieux. Qu'est-ce qui se passe ici? On dessine, comme vous l'avez dit. Je suis contente que ça se passe bien. Prends ça, Bella. Oh, quel est le problème avec elle? Je pense que sa chaise a dû se casser. Il vous reste une seconde. Le temps est écoulé. C'est génial, mon dessin est presque prêt. Il est là. Regardez. Ce n'est pas parfait. Où est l'autre joueur? Je ne sais pas. Je suis là. Tu pensais que je ne reviendrais pas? Pas question. Qu'est-ce qu'il est arrivé à mon dessin? C'est un mauvais travail. Vous avez perdu. J'ai été piégée, c'était injuste. Au revoir, Bella. J'ai gagné. C'est une erreur, je suis pas d'accord. La victoire aurait dû être la mienne. Je pense que je dois y aller. Où suis-je? C'est bizarre, il n'y a rien. C'est la pièce gagnante. Allez, voilà, mon argent. Je peux nager dedans. C'est vraiment vrai. Félicitations, bravo. Merci. Tu mérites des applaudissements. Oups, c'est si glissant. Je crois que je perds l'équilibre. Oups, ça va? Oui, s'allonger sur les pieds, c'est encore mieux que se tenir debout. Bon, c'est mignon. Je suis au nuage. Je suis tellement... Papa, salut, tu vas bien? Papa, tu m'entends? Hey, papa, pourquoi tu ne parles pas? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai besoin de ton aide, j'ai cassé mon téléphone. Tiens, regarde, achète-moi un neuf. J'ai exactement le même téléphone cassé et rien. Alors n'invente pas, c'est ça, va-t'en. Tu perturbes ma lecture. Oui, je savais que ça se terminerait comme ça. Merci pour ton soutien. Qu'est-ce que je suis censée faire? Je déteste ma famille. Je n'ai pas ma place ici. Non, j'ai besoin d'une nouvelle famille riche. Je mérite le meilleur. Stupide dessin. Ah oui, je sais. Je vais créer ma propre famille heureuse. Je dois d'abord découper une photo. Voilà. C'est bien. Oui. Maintenant, je vais coller ça sur une couverture. Oui. J'espère que mon rêve va se réaliser un jour. Oh, il est temps de faire une sieste. Oh, où suis-je? D'où vient cet énorme ours? Je ne reconnais pas ma chambre, c'est tellement beau. Je suis riche maintenant. Ça a marché, il faut que je vois ce qu'il y a d'autre là-dedans. Wow, quelle belle nuisette que j'ai. Wow, c'est une maison de bébé cool. Wow, 3 étages d'un coup. Et c'est quoi ça? Un flamant rose. Il est si mignon que j'ai envie de le caresser. J'ai toujours voulu sauter sur un lit aussi grand. Wow, quelle coiffeuse. C'est beaucoup de maquillage. Je n'ai jamais vu autant de choses. Qu'est-ce que c'est? C'est une sonnerie, une cloche? Qu'est-ce que c'est? Bonjour, Emma. Bonjour. J'ai apporté ce que vous préférez le plus.
Des billets frais, juste sortis de la banque. C'est tout à moi? Pas du tout. Lancez, je veux me baigner dedans. Incroyable. Il pleut de l'argent. Je n'ai jamais rien vu de tel. Plus, plus. Je suis riche. Je n'arrive pas à croire que tout cela arrive à moi. J'ai besoin de reprendre mon souffle et de le partager avec quelqu'un. Oh, j'ai complètement oublié que mon téléphone est cassé. Allez, allume-le. Stupide pièce de métal. Bonjour. Oh, Emma. Comment t'as dormi? Tu m'as déjà manqué, ma fille. Oh, quelle honte. Comment tu fais pour te promener avec ça? Ma fille ne peut pas avoir un téléphone comme ça. Une seconde, nous allons arranger ça. Voilà, c'est pour toi. Pour moi? Merci beaucoup. C'est un nouvel iPhone. Je n'en crois pas mes yeux. J'ai besoin de le voir tout de suite. Non! Je l'ai cassé. J'espère qu'il n'est pas trop endommagé. Il est fissuré. Qu'est-ce que je vais faire? Je suis désolée, papa. Ne pleure pas, ma beauté. Nous avons assez d'argent pour t'acheter 100 d'autres iPhones. Laisse-moi essayer tes larmes. Juste une seconde. Tiens. Voilà, prends mon iPhone pour l'instant. Oh, merci. Oh. Oh, quel moment, je dois y aller. J'ai le meilleur papa du monde. Je viens de prendre des selfies sur mon téléphone. Maintenant, je vais les télécharger sur les réseaux sociaux. Je vais laisser tout le monde voir comment je suis. J'ai besoin de me rafraîchir. Oh non! J'ai provoqué une inondation. Oh mon Dieu, je vais descendre. Je dois essuyer pour que personne ne le remarque. Heureusement qu'il y a une serviette. Oh, je suppose que je ne l'ai pas fait à temps. Emma, chérie, qu'est-ce que tu fais? Lève-toi. Laisse tomber. Bonjour, ma beauté. N'oublie pas que tu ne dois jamais faire quoi que ce soit. C'est pour cela que nous avons les serviteurs. Monica, essuie tout maintenant. Tu vois, cela fonctionne très bien. Et nous allons prendre un goûter, nous. Voici une barre chocolatée. C'est tout, je n'en veux plus. Je vais te nettoyer. Allez, arrête de manger. Tu as ruiné ta silhouette. Laisse tomber. Peut-être tu n'aurais pas dû jeter la barre sur le sol. Pourquoi pas? Ça rend les domestiques heureux de nettoyer nos déchets. Regarde ça. C'est beaucoup de choses. Merci, mademoiselle. C'est ça, allons-y. Laisse-moi te donner un peu d'aide. Pas du tout. C'est toi, moi. J'adore les emballages. C'est un peu bizarre. D'accord. Oh, je dois vraiment y aller. J'ai une surprise pour toi. T'es prête? Voilà, un nouveau vestiaire. Ma propre loge. Ah, je suis ta styliste. Bonjour, ma belle. Tourne autour. Bien sûr. Chic. Qu'est-ce que tu veux? Ah, je vais montrer. Je veux une robe comme ça. Oh my! Oh, t'as beaucoup de goût. Eh bien, je vais choisir le bon. Tiens, va dans la cabine. Ma fille doit ressembler à une princesse. Tout ce que vous voulez. Alors, de quoi j'ai l'air? Si jolie? Le rose est la couleur la plus à la mode. En quoi vous avez transformé ma fille? C'est une sorte de pouvantail. Trouve-lui autre chose. Ne sois pas nerveuse. S'il vous plaît, je vais tout réparer. Je suis prête. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est encore pire qu'avant. Laisse-moi vous faire une manicure. Oui, c'est quelque chose que j'aime vraiment. Je suis comme une conte de fées. Oh non, change. Un peu de patience. C'est ça? Cowboy? Oui. Tout ce dont tu as besoin. Oui, un cheval terrible. Oui, je pars. Oh, comment styliste? Je pense que votre fille est bizarre. Oui, allez. Oh, encore. Pourquoi nous avons ça? J'en ai déjà marre. Vous n'aimez rien. Regardez ça. Je pense qu'il porte enfin quelque chose de joli. Bravo. Bellissimo. Oh, je pense que je vais tomber. Oh, comme c'est embarrassant. Merci pour ton aide, nous allons prendre le relais. J'adore travailler avec des gens riches.
Lève-toi, nous partons. Est-ce que je vais avoir une autre surprise? Tu l'as deviné. Regarde ce que maman et moi avons fait. Qu'est-ce que c'est? J'ai hâte de l'ouvrir. Je peux? Bien sûr. Allez, ma fille. Oui. C'est une poupée géante. Elle est incroyable. J'en ai toujours voulu une. Merci. Laissez-moi faire un câlin. Oui, Emma. Et bon, on va pas mettre en travers. Oui, j'ai quelque chose à faire. Comme c'est cool qu'elle bouge. Même sa tête tourne, comme si elle était réelle. Je vais la serrer dans mes bras. Salut. Je suis ta nouvelle amie. C'est Pierre. Allons nous asseoir. C'est ça? Super. On joue un peu. Vas-y, ta pomme. Oh, tu t'en sors très bien. J'ai une autre chose en tête. Je dois te coiffer. Assieds-toi, bien droit, et ne bouge pas. Je vais te brosser les cheveux. Et maintenant, nous allons te maquiller. Vas-y. T'es superbe. J'ai une idée. Hé, regarde-moi. Changeons de place. Maintenant, tu t'occupes de mes cheveux et de mon maquillage. Ok, here we go. Et voilà, je suis prête. Tu peux commencer. Une seconde. Laisse-moi prendre une brosse. Parti. Oh, ça fait mal. Mes cheveux. Arrête, arrête. Quelle horreur. La brosse est coincée en plein dans mes cheveux. Poupée stupide, je ne veux pas jouer avec toi. Oh, c'est beaucoup mieux. Je dois juste faire sortir la brosse d'une manière ou d'une autre. Très bien, cependant. Oh, quelle journée ennuyeuse. Oh, quelqu'un est là. Je peux me tenir sur la droite. Positionne-toi où tu te sens le plus à l'aise. Ok. Emma, assieds-toi sur le bord de la chaise. Nous sommes prêtes. Super, je vais prendre de superbes photos. Allons. J'ai oublié quelque chose. J'ai besoin d'ajouter de l'argent. Vous savez comment améliorer les cadres? Super! Mais c'est le genre de paysage que j'aime. L'argent, c'est jamais superflu. Vous avez raison, je vais en prendre. J'espère que cela ne va pas déranger quelqu'un. Oh, j'ai presque oublié la photo. J'aime tellement poser. C'est vraiment génial. Je dois prendre plus de photos. Ne t'arrête pas, nous y avons pris goût. Je suis sûre que je suis très belle. Ces photos seront sur les couvertures de tous les magazines sur le papier glacé. Les vidéos, j'en ai enregistrées. Vous êtes absolument magnifiques. Il est temps de faire mon truc préféré, compter l'argent. Papa, salut. Oh, je crois que j'ai faim. J'ai tellement faim. Papa. Hé, hey, papa. Papa. Qu'est-ce que c'est? J'ai faim. Et alors? Eh bien, c'est une excellente excuse pour jouer à notre jeu familial préféré. T'es prête, Emma? J'appuie sur le bouton. C'est beaucoup de bonbons. Je vais attraper quelque chose. Les Chupa Chups. Ouais. Pas un mauvais départ. Pourquoi est-ce que je monte? Je veux descendre. Comme tu veux, ma fille. Allons-y. Oui, des sucreries, je viens à vous. Oui, j'ai attrapé mon Kit Kat préféré. Papa, ramasse. Bien sûr, chérie. Je crois que quelqu'un m'appelle. C'est important. Je dois raccrocher. Bon, je dois partir. Papa, tu vas où? Où est-moi alors? Je ne peux pas rester ici. Ah, je suis tombée. Que quelqu'un m'aide. On dirait que je vais devoir sortir par mes propres moyens. Oh. Oh. J'ai à peine réussi à décrocher. C'est bon, inquiété. Ah, oh, bonjour, il y a quelqu'un? Papa. Très bien, le jeu est terminé. Je m'en vais. Monica, t'as vu papa? Non. Hey. Oh, le diable est parti. Soudain, s'est passé quelque chose. Papa, papa. Pas ici non plus. Ah, où? Papa, t'es où? Ma chambre est complètement vide. Comment ça se fait? What? Allez, chérie, pousse-toi. Ah, voilà, papa. Pourquoi t'es parti? Je t'attendais. Ne te mets pas dans mon chemin, Emma. Arrête, nous sommes occupés.
Mais après, mais nous sommes la famille parfaite. Nous devons tout faire ensemble. Personne ne veut de moi. Je vais m'allonger sur mon lit, seule et pleurer. J'aimerais pouvoir retourner dans ma vraie vie, mes simples familles. Je suis rentrée à la maison. À la maison. À la maison. Bon, je sais pas ce que je suis à la maison. Oui, c'est vrai, c'est mon lit. C'est ma chambre. J'ai juste ce stupide magazine. Faut que je récupère ce dessin tout de suite. J'ai besoin d'être près de ma maman et de mon papa. Je les veux. Salut papa. Salut mamounette. Je vous aime tellement. Vous n'avez pas idée. C'est si bon d'être à nouveau à la maison. Il n'y a pas toujours quelque chose de bon caché derrière la photo parfaite. Souviens-toi toujours.